Pour résumer la pièce Nos années vodka, je dirais que c'est l'histoire de Greg, un grand séducteur. Les femmes, c'est la vie. Et je le dis en... poésie. Pas mal, ça. Greg est accompagné par son pote Danny, chômeur, loser et pas du tout séducteur. Danny, c'est quoi le plus important avec les femmes? Hein? Bah oui, c'est quoi? C'est vrai. La confiance. Voilà. Seulement, à force d'être confiant, Greg a couché avec la femme qu'il ne fallait pas. La petite amie d'une flic. J'ai coupé deux doigts pour ce que t'as fait. Non! Vous pouvez pas faire ça, madame! Pensez à ça. Pensez à sa fiancée. Ok. Si tu as une fiancée, c'est qu'une fille veut encore de toi et que tu veux peut-être quelque chose. Alors je te laisse tes doigts. Mais si c'est pas le cas, je te les coupe. Ainsi, Greg essaiera de trouver une fiancée en 24 heures. Pas facile quand on n'est qu'un séducteur. Il essaiera auprès d'une gauchiste alcoolique, de sa boss carriériste, d'une ex qui aime les livres et d'une schizophrène bipolaire. Mon Dieu, comment tout cela va-t-il finir? Greg aura-t-il toujours ses doigts à la fin de l'histoire? Lecture de la pièce le 25 avril à 19h au Théâtre de l'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg dans le 10e, métro Strasbourg-Saint-Denis.